La musique est plutôt sympa, bien apaisante, j'aime bien moi. Salut tout le monde, c'est Jolate, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la démo de Highlands. Alors je parle très vite parce que je suis sur la démo et je n'ai que 60 minutes pour tester le jeu. Après ça, faut que je me décide à l'acheter ou pas, si ça vaut le coup. Mais rassurez-vous, j'ai regardé un petit peu une vidéo avant de commencer le jeu et ça a l'air quand même bien cool. C'est un petit jeu de survie, il est en alpha pour le moment. Et franchement, il y a déjà beaucoup de possibilités. On va pouvoir construire des véhicules, crafter des bâtiments, des maisons, des bases, modéliser complètement le terrain. En fait, ça me rappelle beaucoup, côté graphique un petit peu, ça me rappelle beaucoup Astroneer. Vous allez voir, avec les petits polygones et tout. Enfin bref, on va faire play tranquillement. Donc voyez qu'il y a déjà des maps prédéfinies. Ah oui, regardez, on peut construire des bateaux et tout, des hélicoptères, on peut construire vraiment tout et n'importe quoi. Le jeu est super complet et pour l'instant c'est qu'une alpha quoi. Donc toutes les maps que vous voyez en fait là, ils sont scénarisés. C'est des maps qui ont déjà un scénario. Des maps aventure, on pourrait appeler ça. Mais bien entendu, vous avez le mode survie classique où vous vous démerdez de A à Z. Et nous, c'est ce qu'on va faire. On va faire le mode survie classique. Et nous voici, mesdames et messieurs, dans Highlands. Et franchement, je trouve ça super joli. Voilà, c'est pas super ouf graphiquement. Mais voilà, ça me rappelle un petit peu la patte graphique à Astroneer. Vous voyez ? Un petit peu avec les polygones et tout. Le terrain est complètement modélisable. Comme Astroneer, je peux creuser vraiment partout. Donc bien sûr, si on a les outils qu'il faut. Et on peut aller dans l'eau, on peut nager. Enfin, il y a de l'oxygène et tout. Voilà, vraiment pour une alpha, c'est quand même vraiment très complet pour le moment. Donc, le jeu est en anglais. Il n'y a pas de version française pour l'instant. Bienvenue sur Highland. Regardez autour de vous, explorez. Et si vous collectez des items... The Red Banner, something, c'est bien cool qui me dit. Ok, d'accord. Donc, vous allez voir qu'on peut récolter vraiment tout et n'importe quoi. Voilà, par exemple, je récolte de la pierre. Les pierres et autres objets sont placés dans votre inventaire avec I. Ok, d'accord. Donc, avec I, on va pouvoir accéder à notre inventaire. Ok. Vous pouvez voir les objets dans votre inventaire, les inspecter avec le bouton gauche de la souris. Ok, d'accord. Donc là, j'ai ramassé une pierre. Donc, c'est plutôt cool. Voilà, je peux l'inspecter. Je peux même la casser. Et si je la casse, vous voyez, j'ai du gravier. Ah, c'est pas mal, franchement, ok. Et je peux le destroyer si je veux. Voilà, là par exemple, j'ai tout détruit. On a le crafting ici. Donc vous allez voir qu'on va pouvoir crafter pas mal de choses par la suite. Mais pour ça, faut d'abord ramasser pas mal d'items. Alors franchement, on peut vraiment ramasser tout et n'importe quoi. Voilà, je peux ramasser ça, ça, pas ça, d'accord. On va ramasser les herbes, du bois, ok. Parfait. Donc en fin de compte, c'est un jeu de survie classique, hein, qu'est-ce que je pourrais dire, moi? Voilà, type Ark, type Earthworld, type jeu de survie, quoi. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, un ananas? Je prends. Donc ça, je suppose qu'il va nous falloir une hache pour ramasser ça. Je pense que par la suite, ça va se faire tranquillement. C'est quoi, ça? Une lanterne, putain, on peut même ramasser des lanternes. Je vous dis, on peut vraiment tout ramasser. Alors j'ai vu quand même des screens et tout. On peut vraiment construire, mais des trucs de malade. Des trucs de cinglé. Genre des bateaux et tout. Mais laisse tomber quoi. Alors je vais surtout ramasser du bois parce que j'en ai pas ramassé beaucoup pour le moment. Ça c'est quoi? Je pense qu'il nous faudra une pioche pour piocher ça par la suite. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas toujours que vous avez un petit lien dans la description pour acheter des jeux moins chers sur G2A. Et c'est bien cool. Et puis, dites-moi dans les commentaires si ce genre de jeu, c'est sympa, quoi. Moi, franchement, je trouve ça super sympa, ce genre de jeu. Après, oh putain, c'est quoi ça? Est-ce que je suis vraiment en mode survie, là? C'est quoi ça? Ok, d'accord, j'ai trouvé de la viande. Ça, c'est pas mal. Oh, regardez ça. Regardez tout le bois qu'on ramasse. Là, il y a un feu de camp. Ah ouais, yes, ok, d'accord. Ok, je place ça dans le feu de camp. Je fais craft. Est-ce que ça le fait, là? Attends. Non? J'ai pas l'impression que ça fait grand-chose. Alors, attendez, parce que c'est pareil. Hein, je suis vraiment une biche en anglais. Alors, any item that... Tous les items que vous usez pour... Upgrade dans la workstation. Ok, d'accord, sont dans votre inventaire. Pour l'instant, on va pas trop toucher à ça. Donc là... Ah ouais, mais regardez ça. Mais c'est génial, quoi. Alors du coup, je sais pas si je suis parti vraiment en survie totale. Parce que là, j'ai l'impression que je tombe sur une map qui est déjà un petit peu faite. Alors attendez, on va aller dans l'inventaire. On va aller voir un petit peu comment ça marche, le craft et tout et tout. Donc... Par exemple, voilà, je peux faire de la corde. Pour ça, il me faut 3 brindilles d'herbe. Donc, on va en crafter masse. Allez, à fond, tant qu'à faire.
Et voyez que maintenant que j'ai crafté la corde, eh ben je peux crafter d'autres trucs. Voilà. Par exemple, pour crafter un arc, voilà, il me faut des sticks et de la corde. Je crafte. Vas-y. Ranged weapon, yes, yes, oui, oui, t'inquiète. On va crafter une hache. Donc ça, ça va nous servir. Un marteau, ça va sûrement nous servir peut-être à construire des trucs ou quoi. Et on va crafter une... C'est pas une pioche, ça. Stone mass et stone pick, d'accord. Bon, on va crafter... De toute façon, on va tout crafter, hein. Voilà, c'est la démo. On est là pour découvrir le jeu. Donc, j'essaye d'en découvrir le maximum. On va mettre les outils comme ça, tranquillement. Ah ouais, franchement, c'est cool. Voilà. L'inventaire, c'est intuitif et tout. C'est franchement sympa. Attends, par contre, j'ai crafté un arc. Ça, je m'en souviens. Voilà, je vais le mettre là. Du coup, j'ai pas crafté de flèche par contre. Ah ouais, ok. Out of ammo. On n'a pas d'armes. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, yes! Des blocs de fromage, je prends. Des blocs de glace, je prends. Putain, on peut vraiment tout ramasser. Je vais essayer par exemple de piocher un truc. Par exemple, si je trouve de la pierre. Voilà, comme ça. Est-ce que ça marche? Ah ouais, voyez? Regardez en bas à droite. Voilà, bon c'est encore un petit peu hasardeux tout ça, je veux dire, voilà, le jeu il est en développement et tout. Mais voilà, on comprend bien le principe. Voilà, là par exemple, je pioche de la pierre et tout. Dirt, c'est pas de la pierre, dirt c'est de la terre, non il me semble. Peut-être plus par ici, non? Ah ouais, regardez, je peux carrément piocher le terrain et tout, hein. Je vous dis, tout est modélisable. Et là après on peut ramasser ça, voilà. Là je ramasse de la stone. Donc c'est plutôt cool. Écoutez, j'ai bien envie d'aller... Qu'est-ce que c'est que ça? Un arrow... un arc... pointer un arc en bas. Ah bon? Arrow, c'est l'arc, hein? Alors attends, je vais voir s'il y a moyen de faire des flèches, par exemple. Oh, regardez, franchement, il y a pas mal de trucs à crafter, hein. Pour un début, c'est déjà pas mal. Ça, c'est quoi? Drying rack. Ok, d'accord, donc ça, ça va être un truc... Ouais, pour accrocher, par exemple... Vous voyez, des poissons, des herbes, des trucs comme ça. Donc s'il y a des poissons, j'imagine qu'il va y avoir de la pêche. Putain, on peut carrément se faire des bottes et tout. Ah, j'ai pas ce qu'il faut. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Iron picks, je prends. Ah oui, puis elle pioche bien plus vite celle-là. Donc là, vraiment, je vous dis les gens, je suis dans la phase découverte du jeu. Là, je prends la lanterne. Ah ouais, ça va être pas mal. Donc déjà, si on a des lanternes, j'imagine qu'il va y avoir un cycle jour-nuit. La petite musique, qui est plutôt sympa. Ouais, franchement, j'aime bien. Ça va, ça passe crème. Alors attendez, je rentre là-dedans là parce que j'ai pas tout capté là, mon vieux là. J'ai pas bien tout capté, qu'est-ce que c'est que ça? Un chapeau? Not only, d'accord, ce n'est pas seulement des vêtements. Ah d'accord, quand vous mettez des vêtements, ok. Donc les vêtements en fait ça peut servir d'armure et tout, voyez ce que je veux dire? Ah regardez, en plus on peut trier vraiment comme ça. Voilà, par exemple, si je prends vraiment que les vêtements, là je peux peut-être mettre... Ah yes, mais c'est excellent. Ça déchire. Regardez, j'ai un ananas dans la main quoi. Et je l'ai mangé. Par contre, je vois pas de barre de faim, de barre d'eau ou quoi. Ça c'est super bizarre. Voilà, écoutez, je vais reprendre ma petite lanterne et tout, tranquillement. En tout cas, c'est super joli franchement. C'est super bien fait. Vraiment très sympa. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, arrête tes conneries. Jure. Il y a des tigres quoi. Arrête. Ce délire. Il va me bouffer, non? Non. Il a l'air gentil, regardez ça. Bon, c'est un petit peu hasardeux tout ça, je vous dis. Hein. C'est vraiment en cours de développement. Disons qu'il a l'air plutôt mignon, celui-là. Allez, vas-y. Venez, mes amis, venez, venez. Ouais, effectivement. Effectivement, effectivement. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Des coconuts. Arrête tes conneries. Jure, je prends. Vas-y. Oh regardez, il dort lui. Oh putain, il s'est réveillé. Mais ils ont vachement l'air... Oh! Putain, comment il m'a foutu les boules, le bâtard. J'allais dire, ils ont vachement l'air mignons et tout, mais... Attends, il me fait rien? Oh le bâtard, mon vieux, comment qu'ils ont abusé sur les cris des lions, par contre. C'est un truc de fou. Tiens, viens moi, Titi. Vas-y, vas-y, vas-y. Putain, laisse tomber, j'ai ouvert la porte à tout le monde, y'a personne qui sort, normal. Bon bah écoutez, je vais prendre ça moi. Ah si, y'en a un qui est sorti. Oh my Kansas, Yandam Power Cell. Ok d'accord, c'est des piles. D'accord, regardez ça, ils sont tous en train de sortir là, ça y est. Bah écoutez, on va se casser de là. Attends, oh, mais comment je fais pour me barrer de là moi? Je suis passé par où? Oh non, 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 non. Non, non, arrête, arrête. Stop.
Comment que je suis pour me barrer de là, moi? Attendez. Ouais, j'ai trouvé quelque chose, là, c'est bon. Voilà, ça doit être comme ça. Tac, voilà, impeccable, on va passer par là. Oh putain, des pièges à loups, quoi, non. Trop fort, ah ouais, on peut capturer des créatures et tout avec les pièges. Franchement, ça déchire. Mais du coup, là, je suis pas dans le meilleur mode, je pense, hein. Je suis pas dans le mode survie, je pense, je sais pas. Ça se trouve, c'est peut-être le seul mode que propose la démo, je sais pas. Oh, mais regardez, c'est quoi, ça? C'est quoi, ce machin? Je passe dedans, normal, quoi. Ok, d'accord. Putain, j'y donne des coups de lampe, mon vieux. Laisse tomber, quoi. Ah ouais, regardez ça. On a un cycle jour-nuit, hein. J'ai l'impression que le soleil est en train de se coucher, hein. En tout cas, franchement, je trouve ça super beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma hache. Voilà. On va couper un petit peu du bois comme ça. Non? J'ai l'impression qu'il veut pas le couper, celui-là. Là, ça commence à faire nuit, là. Est-ce que tu peux couper ça, au moins? Non? Ah si! Ah yes! Putain, j'ai cru qu'il allait jamais le couper, quoi. Ah, bah voilà. Ok, d'accord. Regardez, j'ai l'impression que je vois de la fumée, là. J'ai l'impression qu'il y a un volcan. Laisse tomber, comment que je suis en train de monter sur le bordel, mon vieux. Je suis en train de monter partout. Ah ouais, regardez ça. Non, c'est quoi, ça? Vas-y. Je les prends. De la dynamite et tout, carrément. Arrête. Voilà, admettons. Mais casse-toi! Ce délire. Ça fait un trou? Ah ouais, quand même. Ah bah tu m'étonnes, mon vieux. Ah oui, ça fait un sacré trou, même. Attendez, parce que là, ah ouais, mon bonhomme, il a froid. Écoutez, je vais revenir au menu. J'ai envie de voir un petit truc. Ce délire, regardez ça. En fait, là, je suis retourné au menu et je suis parti dans un mode créatif. Je voulais voir ce que ça faisait un petit peu. Oh là là, regardez, il y a des sangliers et tout. Prends ça dans la gueule, mon vieux. En tout cas, franchement, super complet, le jeu, hein. Putain, comment qu'il gueule, mon vieux. Alors, attends. Deux fois space, c'est fly. Ah ouais. Non. Trop fort. Excellent, quoi. Par contre, la map, elle a pas l'air spécialement grande. C'est bien dommage, parce que l'étendue d'océan qui est à côté, lui, il est super grand. Je peux terraformer le terrain, quoi. Oh non, mais regardez ça, c'est un truc de malade, quoi. Alors attends, là, je suis en mode créatif, hein. Donc, admettons, si je fais ça... Voilà, je veux voir un petit peu comment que ça se passe, la construction. Vous savez à quoi ça fait penser un petit peu aussi? Ah, merde, j'ai plus le nom du jeu en tête. Si, c'est Stellar Overlord, je crois. Et ça s'appelle comme ça. Stellar Overlord. Ah, je sais plus exactement comment que ça s'appelle, mais je suis sûr que vous voyez le genre de jeu que je veux dire. Ensuite, on a ce petit cheval. Comment qu'on fait pour l'apprivoiser? Vas-y, viens. Viens, ma fifi. Merde. Non! Mais reviens là! Là, je sais pas, ça se trouve, il y a peut-être moyen d'y poser une selle ou quoi. Et là, ce qui est bien, c'est que dans le mode créatif, on peut vraiment voir tout ce qu'on peut crafter. Et franchement, la liste est vraiment super, super longue. Bon, écoutez les gens, on va se laisser là pour la vidéo découverte sur Island. En tout cas, franchement, ça a l'air plutôt sympa. C'est prometteur. Je crois pas avoir trouvé le mode survie. Et je pense qu'il y a un mode survie, hein, c'est obligé. Donc, c'est une vidéo découverte, hein. Je découvre le jeu en même temps que vous. Donc là, pour le coup, franchement, eh ben, c'est plutôt sympa comme jeu. Voilà, c'est mignon et tout. Voilà, graphiquement et tout, j'aime bien. Ça me fait penser un petit peu à Astroneer. Et puis le principe du jeu et tout, la survie, moi je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de craft. Il y a beaucoup de trucs à faire. Peut-être trop du coup. Mais franchement, bien. Bon, sur ce les gens, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du jeu. Moi franchement, je le trouve bien sympa. Et puis ben, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, pourquoi pas la partager. Et ce serait sympa. Ce serait cool, quoi. Hein? Qu'est-ce que t'en dis, toi, salopard, mon vieux? Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et ciao tout le monde, bye!